l'actualité culturelle autour. Le temps passait et il n'y avait pas tellement de solutions. Alors je me suis dit qu'au lieu de réalisateurs étrangers divers, j'allais employer des opérateurs réalisateurs, des gens qui avaient l'habitude de filmer et de concevoir la façon dont les choses se passent. Je crois que tout le monde s'est mis d'accord qu'il fallait, en effet, puisque l'événement était si extraordinaire, qu'il y avait des participants de tant de pays africains, il y avait tant de talents, tant d'histoires, qu'un documentaire serait la meilleure solution. Ces images me rappellent un passé merveilleux, de moments exaltants que nous avons passés ici en Algérie. Et c'était le moment, des moments d'espoir, des moments de communion, des moments où nous étions en phase, nous créateurs, avec le peuple algérien qui nous a reçus, qui nous a ouvert ses bras. Cette période-là était une période d'espoir, de rêve. C'était une période de combat aussi. C'était une période où l'Afrique venait d'accéder à l'indépendance, l'Algérie venait d'acquérir sa liberté au prix de sang versé. Et nous nous retrouvons subitement tous ici à Alger avec l'espoir que nous allons contribuer, participer, apporter quelque chose à l'humanité à travers notre culture. Parce que ces éléments que nous sommes en train de voir là, ça reflète une conception, un comportement, une vision de l'avenir que nous avions de l'Afrique. C'était extraordinaire. C'était une opportunité qui n'existe aucun endroit sauf Alger à cette époque, en 69. Alors les mouvements de libération contre les Portugais, contre les Anglais, et nous, nous-mêmes, les peintres noirs, aussi comme un mouvement de libération contre le racisme et l'impérialisme des États-Unis, il y a une chose que nous tous partageons, c'est l'inspiration de Frantz Fanon. Et Algérie, et c'est l'endroit où on a trouvé les histoires que Frantz Fanon, alors c'est un Mecca. Des moments extraordinaires. Oh, il y a un moment où on se trouve chez Myriam Makeba. La détermination de cette femme, on la connaissait, réfugiée d'Afrique du Sud. Et la beauté de sa musique. Et un des moments forts du film. Il y a un autre moment où on voit Myriam Makeba qui fait un chant de lion avec uniquement des bruits d'animaux. Était un panafricaniste convaincu. Donc l'événement majeur qui s'est tenu à Alger en 1969 avait deux dimensions qui constituent des axes de son engagement. S'agissant du panafricanisme, pour lui, ce panafricanisme va au-delà du continent africain. Il inclut la diaspora et des peuples du tiers-monde. Et je pense qu'en 1969, il y avait non seulement des Africains, mais aussi des représentants de la diaspora et des peuples du sud du tiers-monde. C'était très important aussi ce symposium qui a permis aux intellectuels africains de réfléchir sur le rôle de l'intellectuel africain. Yeah.
1962. Those were the days of Ferhat Abbas. كانت أيام حرب. Ben Khader. أو كانت أيام وجود فرحات عباس. Ben Bella. وأيام بن بلة. Colonel Boumediene. والعقيد بومدين. Belkacem Krim. وكريم بلقاسم. Mohammed Yazid. I look forward to visiting this country. أود وشغف لزيارة هذا البلد. With a great deal of interest. وذلك يحدوني فيه Because إهتمام كبير. It is the Algerian army لأن that made of me a man. C'est une expérience, c'est une improvisation, n'est-ce pas? C'est le geste. C'est